Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, je suis naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose. Aujourd'hui, on va faire le point sur le café. On va voir que malheureusement, c'est pas top si vous êtes concerné par la candidose, la dysbiose et des problèmes de digestion. Donc on va voir pourquoi c'est pas terrible. On va voir quelles solutions on a, quelles autres boissons on a si on cherche ce goût du café, ce petit goût amer. Et également, je vous dirai un petit peu quelles solutions on a en termes de boissons si par contre on cherche cet effet énergisant. Alors, premier point, premier gros sujet, le café, eh bien, ça fait pas bon ménage avec la candidose, notamment parce que c'est un excitant, et comme la plupart des excitants, eh bien, il va entraîner une libération de sucre dans le sang, donc une hausse de la glycémie, et ça, c'est vraiment pas bon quand on est en situation de candidose. D'abord, ça va petit à nourrir le candidat. Ensuite, comme la glycémie monte, après, elle chute. Donc vous faites une hyperglycémie puis une hypoglycémie, ça nous donne envie de manger du sucre, des féculents, ça nous fait des fringales et du coup on renourrit à nouveau le candidat et vraiment ça c'est pas bon du tout. Et en tout cas on le remarque vraiment que chez la plupart des personnes le café va faire une hausse de glycémie et donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on cherche en candidose, on cherche à avoir une glycémie vraiment stable. Deuxième point super important, il empêche l'absorption de pas mal de nutriments, notamment le fer. Hein, ça, généralement, vous le savez. Alors, ça va concerner pas mal de femmes qui souffrent d'anémie. Le café, le thé, le chocolat, ça bloque l'absorption du fer. Donc, c'est vraiment embêtant. Pareil pour l'absorption des protéines et de la B12, ça va pas être top du tout. Et l'autre nutriment qu'il va bloquer, c'est le magnésium. On va moins bien l'absorber. Et ça, je le vois, mais énormément chez les femmes. On va voir tout de suite qu'il y a plus de syndrome prémenstruel, de douleurs menstruelles quand il y a une grosse consommation de caféine, sous forme de café ou aussi sous forme de chocolat. Et voilà, c'est un gros gros impact sur le magnésium. Quand on diminue, quand on passe à une autre boisson, ça va beaucoup mieux au niveau du SPM et des douleurs menstruelles. Donc très très important. Le magnésium, c'est aussi important pour le sommeil, pour gérer le stress. Donc des personnes qui commencent à ruminer, à être anxieuses, à pas bien dormir, c'est probablement qu'il y a un problème de magnésium. Et franchement, le magnésium, c'est très 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 important en candidose et dysbiose. On est carencé et il faut en apporter, il faut se complémenter. Et donc on va pas venir en plus empêcher notre absorption de magnésium avec du café, c'est très très embêtant. L'autre point, eh bien, le café il est agressif pour les muqueuses de l'estomac. Alors je sais que des fois on va prendre un café et on va se dire « Ah tiens, ça m'a aidé à digérer ». Oui, sur le moment, ça apporte une acidité qui peut aider à digérer, à vidanger l'estomac et aussi à vidanger la bile. Mais sur le long terme, c'est un gros gros risque. Et d'ailleurs, il y a plein de gens pour qui le café ça passe pas. Hein. Quand on a des aigreurs, des ulcères, on sait tout de suite que le café ça marche pas. Il y a d'autres cas où le café est embêtant et qui est lié à l'estomac, c'est toutes ces personnes qui ont des glaires dans la gorge, des problèmes ORL, des sinusites, etc. En fait, ça peut être lié à l'estomac, vous arrêtez le café, ça va beaucoup mieux. Donc il y a ce côté vraiment agressif pour l'estomac qui va sur le long terme vraiment poser problème. Et l'estomac, c'est vraiment un organe qui souffre généralement en candidose et dysbiose, ça peut être la cause et ou la conséquence, mais en tout cas c'est très important d'en prendre soin et le café il va vraiment pas aller dans le sens de prendre soin de l'estomac. J'ai une vidéo sur l'estomac, je vais vous la mettre en dessous, sous la description. Autre point, le café il est libérateur d'histamine, c'est-à-dire qu'il nous aide pas à bien gérer l'histamine et l'histamine, vaste sujet, j'ai une vidéo aussi là-dessus, je vais vous la mettre aussi. Mais en tout cas, eh bien, c'est un problème généralement en candidose et ça va entraîner, quand on a trop d'histamine dans le corps, pas mal de douleurs, maux de tête, ça peut être un peu de tout, brouillard mental, etc. Migraine aussi, mais en tout cas, eh bien, on n'a pas envie de venir jouer avec son histamine quand on est atteint de candidose. On a généralement besoin plutôt de baisser le taux d'histamine et le café, il va dans l'autre sens, donc c'est pas bon du tout. L'autre point, il a été démontré que le café va défavoriser les lactobacilles qui sont nos bonnes bactéries de la flore intestinale, enfin une partie de nos bonnes bactéries et qui sont des anti-candidats entre guillemets. Donc voilà, c'est embêtant s'il y a une grosse consommation de café de venir défavoriser ces lactobacilles. Bon, dernier point, c'est lié au fait d'être un excitant et aussi au fait de bloquer l'absorption du magnésium. Eh bien, si vous êtes quelqu'un de relativement anxieux, voilà, ça favorise le stress, hein. Ça favorise le stress. L'idée c'est que c'est un excitant, donc c'est pour réagir le plus possible, avoir les muscles, le cerveau mobilisé. Mais ça, si vous êtes déjà en état
de nervosité, eh bien, ça ne va pas être bon du tout. Et malheureusement, souvent en candidose, on souffre de stress, d'anxiété, en dysbiose aussi. Donc, pas bon du tout. Bref, maintenant qu'on a fait ce bilan pas très positif pour le café, pas du tout même, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative en termes de goût? Eh bien, il y en a quand même qui sont très intéressants. Je pense au café de lupin, au café de noyau de date, qui ressemble à du café, qui vont se faire de la même manière. Donc, c'est une poudre noire et vous allez faire dans votre cafetière. Alors, il faut une cafetière, entre guillemets, classique. Enfin, voilà, vous n'avez pas trouvé ça dans les capsules Nespresso, on est d'accord. Mais voilà, ça se trouve et sont des choses qui n'ont pas tous ces désavantages et qui même potentiellement apportent des nutriments. Donc, voilà, c'est intéressant en termes de goût. On retrouve l'amertume, on retrouve la couleur. Ces deux alternatives, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne les connaissez pas. Moi, je les ai testées et franchement, au niveau du goût, j'étais satisfaite. Or, je suis une grande fan du goût du café. En parlant de ça, alors moi, qu'est-ce que je fais personnellement, et c'est une option, c'est que je bois du décaféiné. J'aime beaucoup le goût du café le matin. C'est une option. Alors, au niveau de l'estomac, c'est pas forcément terrible. On va quand même apporter de l'acidité, donc c'est pas top top. Donc, je conseille plutôt aux personnes qui, soit n'ont pas une grosse candidose et n'ont pas trop de symptômes, soit sont carrément sortis de la candidose, ou alors c'est vraiment de temps en temps. Et on va le choisir bio, comme ça, eh bien, le fait d'enlever la caféine est fait avec de la vapeur d'eau, donc pas avec des produits chimiques. L'idée, c'est que voilà, si on aime vraiment le goût du café, eh bien, on va pouvoir de temps en temps consommer un décaféiné. C'est pas idéal. Moi, personnellement, je fais le choix d'en consommer très régulièrement parce que j'adore ça et que c'est vraiment un moment important pour moi. Chacun doit faire ses choix dans la vie. Mais voilà, je trouve pas que ce soit une boisson idéale en matière de santé avec cet apport d'acidité. Mais c'est quand même beaucoup mieux au niveau de tous les défauts qu'on a vus. C'est quand même lié très principalement à la caféine, donc le fait de prendre décaféiné, ça va déjà bien aider. Je ne dis pas que c'est parfait encore une fois, mais c'est une solution envisageable. Alors après, il y a aussi tout ce qui est succédané de café, on appelle ça des succédanés, donc des substituts. Par exemple le Cerekov, par exemple le Bambou, par exemple le Yano. Je vais vous mettre des liens ci-dessous. C'est fait à base de céréales torréfiées. Alors souvent, ce sont des céréales à gluten, donc par exemple l'orge, le malt, etc. Par contre, il y a le Yano qui fait une version sans gluten. Ils expliquent comment ils font, bah justement aussi avec de la vapeur d'eau. En fait, normalement, ces boissons-là, elles sont sans gluten, mais eux, ils garantissent une version sûre à 100% sans gluten. Donc, c'est envisageable. Le problème, c'est que dedans, il y a de la chicorée. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un des substituts possibles aussi en termes de goût. Sauf que la chicorée, généralement, quand vous êtes atteint de candidose ou dysbiose ou SIBO, vous allez énormément ballonner avec parce que c'est riche en inuline. Et l'inuline, c'est un prébiotique qui, si on a une dysbiose, une candidose, eh ben, généralement, ça va créer des ballonnements. Si c'est pas le cas pour vous, très bien, allez-y sur la chicorée. Mais voilà, 90% des gens, ça va pas le faire. Ça va même créer des ballonnements parfois énormes et qui durent longtemps. Donc, faut tester. Si c'est ok, tant mieux, mais voilà, je le mets pas en premier parce que, par expérience, je sais que ça crée généralement de gros problèmes. Donc c'est une fausse bonne solution sur le papier, c'est parfait, mais pour la candidose, généralement ça va pas marcher. Donc voilà pour la chicorée et du coup les succédanés, donc que j'ai dit Yano, Bambou, Cerekov, ces trucs-là généralement c'est céréales torréfiées plus chicorée. Donc il y a ce même problème de la présence de chicorée qui peut vous faire ballonner, mais sinon à tester aussi. Voilà pour nos substituts de café qui ont un goût qui ressemble au café. Après, si vous cherchez plutôt l'effet boostant, si vous, le goût du café, vous en fichez, en tout cas, bon, le plus important pour vous, c'est d'être réveillé le matin parce que vous n'arrivez pas à démarrer votre journée. Bon, l'idée, c'est bien entendu de travailler votre terrain, travailler que le sommeil soit meilleur, que la thyroïde fonctionne mieux, que la vitalité revienne, la digestion soit meilleure, etc., pour que vous n'ayez pas autant besoin de quelque chose le matin pour vous booster. Mais à un moment donné, il faut bien aller travailler, pour ceux qui le peuvent encore, hein, parce que faut dire aussi que parfois en candidose, en dysbiose, vous êtes concerné par l'arrêt de travail. Hein, voilà, ça c'est fréquent dans mes participants. Je fais une petite parenthèse, mais si vous nous regardez aujourd'hui et que vous êtes en arrêt de travail parce que juste votre santé... ça ne vous permet plus d'aller travailler, ben je sais que ça existe, mais si vous n'en êtes pas encore là, mais que le matin, il vous faut vraiment un truc pour démarrer, on a aussi des choses qui peuvent aider au niveau des plantes. En fait, j'ai un bonus là-dessus dans mon programme, enfin j'ai un cours bonus consacré à ça dans mon programme. Il y a notamment le gingembre. Le gingembre, alors c'est,
quand même un stimulant. C'est pas un excitant vraiment, mais c'est quand même un stimulant physique et intellectuel. Et surtout, il a le gros avantage de stimuler la motilité intestinale. La motilité intestinale, c'est le fait que les aliments se déplacent dans votre intestin, donc que vous ayez un bon transit. Et ça, c'est un gros problème généralement en candidose, en SIBO, en dysbiose. C'est un axe qu'on veut travailler. Donc le gingembre, eh bien, c'est un très bon stimulant de la motilité intestinale. Il est cité par beaucoup de sources, beaucoup de médecins qui travaillent sur ce sujet-là. Donc très très bien si vous voulez faire une infusion de gingembre le matin, c'est vraiment parfait. Le truc, c'est que sur un estomac qui est déjà très sensible, qui a des aigreurs, s'il y a des choses comme ça, alors ça peut être très bien, ça peut être génial pour l'estomac et ça peut être catastrophique, enfin j'exagère, mais vous faire encore enfin, des aigreurs, augmenter les symptômes stomacaux. Donc à tester pour vous, voir si vous avez des problèmes au niveau stomacal avec le gingembre ou pas, mais c'est vraiment vraiment une très bonne option. Si on a besoin d'encore plus d'énergie, il y a le maca, le ginseng, c'est intéressant. Il y a des contre-indications, je pense au ginseng, on va faire attention à l'hypertension, ça peut nous créer trop de nervosité, de l'anxiété. Le maca, c'est pas terrible s'il y a des problèmes de thyroïde. Mais là, on est sur des choses qui vont vraiment nous booster, qui apportent pas de caféine, qui n'augmentent pas la glycémie. Donc c'est intéressant de se pencher sur ces plantes-là, vérifier que vous n'avez pas de contre-indications, voilà, c'est des plantes intéressantes. Il y a aussi le romarin. Le romarin, c'est un stimulant intellectuel surtout, mais aussi un petit peu physique. C'est une plante très chauffante, donc qui peut nous aider à démarrer le matin. Voilà, on a fait le tour de ce sujet café, pourquoi c'est pas bon, comment on peut le remplacer si on cherche ce goût, comment on peut le remplacer si on cherche à se booster. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Si vous voulez me retrouver pour des recettes, pour des infos, eh bien, il y a le blog fricocotte.com. Je vous propose aussi un bonus avec des recettes spéciales candidose. Donc si vous êtes concerné par le régime candidose en ce moment, n'hésitez pas à venir voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage si vous luttez actuellement contre une candidose ou une dysbiose.